Bonsoir. Permettez-moi de partager un peu mon direct sur quelques pages parce que, comme je le disais hier, les incapables, ceux qui ont peur de la vérité, ont commencé à menacer ceux qui partagent nos vidéos et commentent. Donc, il va de soi que moi-même, je puisse partager mes vidéos. Et voilà, parce que ils ont tout fait pour empêcher tout simplement voilà, ceux qui nous suivent de commenter, de partager. Donc, je vais le faire moi-même pour éviter que certaines personnes ne soient une fois de plus menacées. Donc, merci à ceux qui nous suivent. Ce soir, je vais vous montrer quelques manipulations que j'ai constatées un peu sur le net. Hier, je vous avais dit que ceux qui sont enlevés sont torturés, forcés tout simplement, pour répéter des choses que les manipulateurs pensent utiliser pour se faire du crédit auprès du peuple. Mais vous savez, c'est comme je vous ai toujours dit. On sort des enregistrements et on nous dit que ces enregistrements sont authentiques. On nous dit que à partir de ces enregistrements, les gens doivent croire à ce que eux ils disent sur la toile. Mais moi, je vous ai dit hier, la manière dont les personnes, les Burkinabés sont arrêtés, sont enlevés, personne ne peut être dans ces conditions et pouvoir sortir quelque chose venant de lui-même. Tout ce qui est dit comme enregistrement, ce n'est pas différent de ce que eux-mêmes ils disent sur la toile. Ce n'est pas différent. Parce que quand quelqu'un est enlevé, il est obligé de dire certaines choses pour être, voilà, pour avoir la paix, pour être libre, pour sauver sa peau. Maintenant, ce qui va déterminer tout ce qui est dit, c'est quand il y aura procès. Est-ce qu'il y aura procès? Eux-mêmes, ils font leur propre procès. Il n'y aura pas procès. Il n'y a pas de justice. Ces gens ne sont pas présentés à un avocat ou un... Non. On a enlevé des gens et on est allé forcer ces gens-là à dire des choses que eux-mêmes, ils avaient déjà dit, juste pour encore manipuler. C'est la manipulation qui continue. C'est une autre forme de manipulation. L'autre forme de manipulation, c'est de dire des choses il y a quand même quelque temps et aller maintenant enlever des gens, aller les forcer à répéter ce que eux ils avaient dit il y a quelque temps. Donc ça veut dire que on dit aux gens, ah oui, vous voyez, les gens m'ont donné raison. Ce que j'avais dit hier, voici la réponse, voici ce qui est vérifié. Non, mais c'est pas vrai. Ça, c'est à ceux qui vous suivent. Sinon, nous, on sait que quand on enlève quelqu'un, si on veut la vérité, la personne est interpellée par la gendarmerie ou la police judiciaire. Et puis voilà, on lui notifie ce pourquoi il a été arrêté. Il se défend à la barre. C'est ça. C'est ça. C'est à partir de là qu'on peut peut-être croire à ce que vous êtes en train de faire. Mais quand on enlève quelqu'un, on ne voit même pas, il est avec vous. Et pourquoi il ne parle même pas? Il est obligé de faire des enregistrements. Non, il est là. Sortez-le. Allez. Et faire une conférence de presse et que la personne dévoile tout ce qu'il y a à dévoiler. On n'a pas besoin d'aller forcer quelqu'un pour faire des enregistrements et puis sortir ces enregistrements. Et ce qui me fait rire, ces gens-là même parlent, ils se contredisent. J'ai vu sur certaines pages ce soir où des gens disent que, oui, en Côte d'Ivoire, il y a un militaire là ou quoi, un gendarme qui a été arrêté et ce gendarme-là est en train d'être torturé. Mais, vous voyez? Vous, vous refusez qu'on ne dise que c'est vous torturez les gens. Et vous allez parler des tortures de l'autre pays. Ça n'engage que vous. Nous, on a quoi à foutre avec un gendarme qui est torturé en Côte d'Ivoire. Si vous-même, les gens sont torturés, vous ne l'acceptez pas. Vous allez nous parler de... Mais c'est la diversion. En fait, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous sommes... C'est la diversion. C'est-à-dire que on mélange tout. On vous amène à ne même plus vous préoccuper de l'essentiel. Parce que... Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, on ne parle pas de la libération du territoire, on ne parle pas de notre territoire, non. Les gens ne parlent pas de ça. Les gens sont en train de vous divertir, les gens sont en train de vous amener à ne même pas vous préoccuper de ce qui est en train de nous arriver. Non, 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 les gens font autre chose.
C'est ça la diversion. Vous voyez, il y a plein de faux comptes. Allez maintenant regarder un peu partout quand les gens publient. La plupart du temps, c'est des faux comptes. Les gens sont là, c'est ça, ils utilisent pour embobiner les gens. C'est ça, c'est la diversion. Mais nous, on est sereins. Quand vous faites vos cinémas, vous tournez, tournez, vous allez revenir nous trouver, on est au point zéro. On n'a pas changé. Écoutez-moi bien, je vais vous montrer comment les gens pensent être forts dans la manipulation. Mais nous, on est sereins. Vous avez vu hier, il y a des gens qui ont dit hier qu'aujourd'hui, eux, ils allaient vous montrer. Hein, aujourd'hui, ils allaient vous montrer ce que le président Damiba a fait. Ils allaient vous dévoiler, ils allaient vous démontrer tout ce que le président Damiba a fait comme plan pour assassiner ce qu'ils ont dit, le capitaine. Moi, j'attendais. J'avais cru que c'était des preuves palpables, des choses que les gens allaient sortir et ça allait même peut-être moi-même me convaincre. Parce qu'ils ont dit hier qu'aujourd'hui, là, ils allaient vous montrer le plan qui a été fait par le président Damiba pour déstabiliser ce pays-là. J'étais là, j'ai dit, mais attends, enfin, je vais quand même comprendre ce que le président Damiba est en train de faire et je vais arrêter de parler de lui. On nous a donné les gens. Mais regardez, on a pris 14 heures. La publication a été faite hier. Et qu'on a averti le peuple burkinabé et tout le monde entier qu'ils allaient vous dévoiler le plan mis par le président Damiba pour détruire ce pays-là. Et à ma grande surprise, après 14 heures, je viens voir une note où les gens ont écrit pour dire le président Damiba et Evrard Sonda avaient un plan pour détruire le Burkina. Mais ouais. Ça, c'est rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ça, je vous appelle la diversion. On met dans la tête des gens, on divertit le peuple. On vous amène à vous attacher à eux. C'est-à-dire que les gens, c'est ça. Parce que la manipulation, c'est amener quelqu'un à ne plus croire en lui, mais plutôt croire que ce type-là a quelque chose de bien pour vous. C'est ça, la manipulation. Et vous êtes attaché à lui. Quand il dit quelque chose, vous êtes pressé pour... Mais il n'y a rien. C'est ça la diversion, c'est ça la manipulation. Le manipulateur, il vous séduit. Et après, il vous utilise comme des objets. On attend 14 heures après pour que quelqu'un vienne me dire que Evrard Sonda et Président Damiba veulent assassiner Ibrahim Traoré. Ça, c'est où est, qu'est-ce qui est? Mais ça, on pouvait nous dire ça hier. Les gens pouvaient vous dire hier. Voilà. Et puis, ça passe là. Mais on vous fait attendre 14 heures. Vous êtes tellement pressé d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Pour qu'on va en aille vous écrire une phrase qu'on aurait pu peut-être vous dire ça hier et c'est terminé. Mais les gens jouent avec votre conscience. Je vous dis, les gens sont payés pour ce qu'ils font. Ils sont dans leur rôle. C'est pourquoi moi ici, là, je ne vais jamais mettre ma caméra pour perdre mon temps parler à quelqu'un qui cherche à manger. Ici, là, je ne prononce pas le nom de certaines personnes, les gens ne comprennent pas. Ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est de manipuler. Ils sont payés pour ça. Ils ont mandat pour manipuler. Leur rôle dans la transition, c'est d'amener les gens à oublier l'essentiel, d'amener les gens à ne même plus se préoccuper de ce qui nous arrive. C'est ça la diversion. Quand quelqu'un tombe, ils vous viennent vous dire personne n'est tombé. C'est leur rôle. Quand il y a un petit problème, c'est eux qui sortent vous dire il y a coup d'état, on veut faire ça. C'est leur rôle. C'est à vous de vous dire tout ce que vous êtes en train de nous dire là. Où on en est aujourd'hui avec la lutte contre le terrorisme. Soyez des Burkinabés justes. Soyez vrais. Les autres peuvent ne pas comprendre. Mais vous, vous devez changer de paradigme. Dites aux gens, aujourd'hui, où nous en sommes avec la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que Ibrahim Traoré est là. On vous dit, des Burkinabés tombent au front. Il y a la famine. On dit tout. Le gouvernement n'a même pas le courage de sortir communiquer. Le gouvernement ne communique pas. Mais le gouvernement a le temps de sortir nous dire qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser le pays. Mais quand on vous dit qu'il y a des attaques, vous ne parlez pas de ça. Quand on vous dit que ça ne va pas, vous ne réagissez pas. Mais il a fallu d'abord sortir des gens. Manipuler, manipuler. Et maintenant le gouvernement sort, il fait un communiqué.
un communiqué vague, un communiqué honteux, on sort, on le lit. Et c'est l'occasion pour moi de dire à tous les ministres de Ibrahim Traoré, moi je vous aime, hein. Depuis que j'ai fait mes vidéos ici, je ne me suis jamais attaqué à un ministre. Moi je parle toujours de Bassolma Bazier parce que lui, c'est quelqu'un que j'ai aimé, que je continue d'aimer. Pour moi, il va changer. Parce que ce n'est pas le Bassolma que nous connaissons aujourd'hui qui est là. C'est pourquoi je ne parle pas aux autres ministres. Mais je vais vous dire, chacun a son tour. Chacun a son tour. Chacun a son tour parce que, si vous regardez, la ministre Olivia Romba, elle était sur tous les terrains ici. Leur affaire de AES là. Mais c'était la dame qui était partout. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens sont en train de l'attaquer, de la traiter. Comme si elle n'a même pas servi ce pays-là. Comme si elle n'a pas servi ce pays. Elle était sur tous les fronts. C'était les mêmes qui chantaient le nom de la dame. Ah oui, quel travail. Que cette dame-là, eux-mêmes, ils postaient la photo de la dame. Les gens vont féliciter. Net quand on a enlevé la dame du gouvernement, elle est devenue l'ennemi de tout le monde. Allez voir, les vrais soutiens du pouvoir sont en train de l'attaquer. Et quand on sort quelqu'un, eux-mêmes, ils créent quelque chose pour coller à ce dernier-là, pour que les gens ne puissent plus respecter cette personne. Évrard Somda, allez voir les soutiens du pouvoir. Quand nous avons traité Évrard Somda de tous les noms ici parce que il a permis qu'on arrête ces éléments sous ses yeux sans poser des actes. Évrard Somda, nous l'avons accusé ici. Pourquoi s'est-il tué et que ces éléments-là ont été livrés sans réaction? Surtout, il y a un parmi ces gens qu'on a arrêté qui avait été promis pour remplacer Évrard Somda. Il a refusé d'être le remplaçant d'Évrard Somda parce que c'est son ami. Ce dernier a été arrêté sous les yeux d'Évrard Somda. Nous avons dit ici, quand même, il fallait quand même réagir. Il fallait quand même aller discuter avec Ibrahim Traoré pour que ces genres de choses-là ne se fassent pas. Mais ce sont les mêmes propagandistes qui sont sortis ici, prendre la photo d'Évrard Somda collée, dire que Évrard Somda n'est pas ce que les gens pensent, que ce qu'eux ils savent, c'est que tout simplement Évrard Somda est un bon soldat. Il est un bon serviteur de ce pays-là. Ce sont des gens qui ont dit ça. Mais est-ce que aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes qui sortent pour vous dire que Évrard Somda a détourné 9 milliards? Mais c'est le même scénario. Quand on veut discréditer quelqu'un, quand on veut amener les autres soldats à ne pas compatir avec le chef, on leur met en conflit avec le chef. C'est la stratégie. Les gens sortent des notes aujourd'hui pour vous dire, parce que les éléments ne sont pas contents des arrestations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir des notes pour dire aux éléments, ne vous révoltez pas, il ne faut pas vous plaindre. Celui-là, voici ce qu'il avait fait sous votre dos. Mais Évrard Somda, ce n'est pas maintenant, vous l'avez connu là. Si Évrard Somda, effectivement, sous Damiba, s'il avait fait des malversations, Damiba ne vous a pas dit de maintenir Évrard Somda à son poste. Damiba était parti. Si vous trouvez que Damiba et Évrard Somda étaient complices, ce n'est pas Damiba qui vous a dit de maintenir Évrard Somda. Évrard Somda a été maintenu par IB. Et d'ailleurs, si Évrard Somda et le président Damiba étaient de Metz, mais Damiba était à New York, quand vous avez planifié le coup pour le renverser, Évrard Somda ne peut pas venir nous dire ici qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant du coup d'état qui se préparait contre le président Damiba. Tous les officiers, la plupart des officiers qui étaient à Ouagadougou étaient au courant du complot qui devrait renverser le président Damiba. Mais quand il est rentré de New York, pourquoi les gens ne l'ont pas dit? Évrard Somda ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, mais il n'a pas dit au président Damiba. Donc aujourd'hui, si vous avez des comptes à régler avec Évrard Somda, réglez vos comptes. N'allez pas le coller au président Damiba. N'allez pas le coller au président Damiba. Parce que le président Damiba, si Évrard Somda était de Metz, il aurait pu lui dire qu'il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Ça allait permettre au président Damiba de déjouer le coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Donc aujourd'hui, le scénario qui sort aujourd'hui, où on montre des malversations d'Évrard Somda, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas hier que ces malversations ont été faites, si c'est réellement vrai. Mais allez-y lui sortir, il va venir vous faire le point.
Il ne s'agit pas d'aller sortir des notes ou des sommes que l'intéressé a reçues. Mais il a reçu. Mais allez lui demander, il va vous faire des points. Il y a des gens qui ont pris 55 millions, 55 millions ici, là. Ou bien, et 400 millions. L'affaire des 400 millions, là, de la Lonavi. Est-ce que les gens réussissent à faire le point? Parce qu'ils sont au pouvoir, ils sont allés magouiller la hiérarchie militaire pour qu'on sorte des notes, pour dire que ça a été utilisé pour payer des armes. Mais les 400 millions, là, c'est où? Ce n'est pas à cause de ça qu'on voulait fermer, comment on appelle ça, le journal, je sais pas si c'est l'événement ou c'est quoi, là. Ouais. Un journal, là. Celui, le journal qui sortait. Ce n'est pas à cause de ça qu'on voulait fermer le journal, là. Parce qu'on a osé demander à des gens de faire le point. Donc, quand vous regardez toutes ces manipulations, quand tu es un militaire, tu es un soldat, la hiérarchie militaire, moi je ne sais pas. Si la hiérarchie militaire, moi je ne sais pas comment elle se comporte de cette manière. Vous êtes assis, des moins que rien sont en train de mélanger l'armée. Les gens sont en train de semer des graines de division au sein de l'armée. Ibrahim Traoré, qui n'est même pas, je dirais, comment on les appelle même? Ibrahim Traoré, ce sont les aides, ce sont les, comment ils appellent, les soutiens militaires, ça, ce sont des soutiens. En fait, les Ibrahim Traoré sont des gens parallèles. Moi, c'est ça. Quand vous regardez aujourd'hui tout ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est ceux qui sont ici des écoles, les officiers là, c'est eux qu'il est en train de raser. Moi, c'est pas si la hiérarchie militaire ne fait pas le calcul ou il fait pas le point. Tous ceux qui sont aujourd'hui en train d'être rasés là, Ibrahim Traoré est en train de mettre en avant ceux qui sont venus parallèlement au sein de l'armée là. Ils détestent les officiers, ils détestent ceux qui sont bien formés. Moi, je ne sais pas si l'armée ne fait pas ce point là. Tous ceux aujourd'hui qui sont maltraités, rejetés de l'armée là, c'est ceux qui viennent des écoles militaires. Les vraies écoles là, c'est eux qu'on est en train de rejeter, nos officiers, c'est eux. Ils n'aiment pas ça, vous ne voyez pas qu'il est un peu collé au VDP, il va là-bas parce que lui-même, il est un soutien de... C'est-à-dire que les Ibrahim Traoré, là, ce sont les gens qu'on a pris parallèlement pour aider l'armée. C'est pourquoi il ne veut pas vous voir. Asseyez-vous. Moi, je parle moins aujourd'hui parce que j'ai compris. Si vous, vous n'avez pas compris, ça n'engage que vous. Quand on lui a posé la question de savoir le nombre de nos soldats, il a dit que les VDP dépassent l'armée, nos soldats. Ça veut dire quoi? Ou bien vous n'avez pas compris, vous n'avez pas enregistré ce qu'il a dit. Donc, au sein de l'armée, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, c'est l'acharnement qu'on est en train de faire sur Ebrard Sonda, c'est juste pour démotiver les éléments, pour leur dire, ce n'est pas vous. Lui-même, il ne vous aimait pas. Il a fait ça. Donc, ne vous mêlez pas. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Donc, pour ce dossier-là, on va mettre ça de côté. Et moi, j'aimerais dire à tous les Burkinabés, vous savez, c'est le terrorisme qui préoccupe les Burkinabés. C'est la reconquête du territoire. Ibrahim Traoré est là pour la reconquête du territoire. Tout ce qui se fait là, tout ce désordre là, ça ne va pas profiter à aucun des Burkinabés. Asseyez-vous, regardez. Laissez les gens vous utiliser. Tous les jours, on ne sort pas nous faire un bilan. Quand on sort, c'est pour nous cogner la tête des Burkinabés. Cogner la tête des Burkinabés, des religieux. Sortir, manipuler, juste pour leurs 5 doigts, et mettre tous les Burkinabés en conflit. Tout ce que nous sommes en train de préparer, nous allons le récolter tous. Asseyez-vous, regardez. Moi, j'ai vu ce soir une vidéo où je voyais des guides religieux, des chefs traditionnels qui étaient à quelque part. Et puis, bon, les gens saluaient, les gens riaient. J'ai dit, bon, c'est bien. C'est vrai, les guides religieux, les chefs traditionnels, quand vous voulez aller à quelque part, c'est vrai, vous pouvez aller soutenir. Mais quand vous allez, montrez que vous êtes des chefs traditionnels. Montrez que vous êtes des sages. Dites-leur, nous vous soutenons, on est avec vous. Mais quand vous sortez pour parler, il faut modérer dans les injures, il faut modérer dans les paroles que vous tenez envers les autres Burkinabés. C'est ça, la sagesse. Quand vous allez à quelque part, montrez que vous êtes là. Mais n'allez pas vous asseoir à quelque part. Pourtant, vous-même, vous êtes à la maison, vous voyez que des gens font des vidéos dans ces mêmes lieux-là. Ils insultent les gens vulgairement. Si vous allez, il faut leur dire, nous sommes avec vous, mais allez doucement. Évitez d'insulter, évitez de dire, de sortir des propos qui vexent d'autres personnes. On peut dire la vérité sans insulter les gens. Moi, j'aime ça. Mais sinon, si vous allez vous asseoir à quelque part et vous regardez les gens insulter, vous ne dites rien. On ne sait pas demain. Moi, je parle toujours de demain. Parce que demain, les gens vont vous manquer de respect.
Il faut éviter, les gens vont vous manquer de respect. Parce que on connaît les Burkinabés, quand le pouvoir change, quand ça change là, les gens ont déjà enregistré, ce sont des vidéos. Les gens ont déjà enregistré vos images. Parce que pour moi, je ne suis pas content de voir des gens sortir insulter des guides religieux, des chefs traditionnels. Mais il faut que vous-même, vous donnez l'exemple. Il faut que vous me montrez aux gens que quand vous venez, c'est pour la paix. Les chefs traditionnels, ce sont des gens qui ne prennent pas position. Et ils sont là pour la paix. Ils sont là pour la réconciliation. Ils sont là pour l'unité nationale. N'allez pas vous asseoir à quelque part où les gens prennent des micros, ils font chose, assalam alaikum, à quoi. Déjà même dans ça, il y a des divisions déjà. Mais quand vous allez vous asseoir là-bas et puis on fait des trucs comme ça derrière vous, vous êtes assis, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez, on va vous coller à ce genre de propos-là. Moi, c'était la petite parenthèse parce que pour moi, les guides religieux, les chefs traditionnels, ce sont des gens, moi je ne mets même pas ma bouche derrière eux. Non. Moi, je ne parle même pas d'eux. Je ne parle pas d'eux. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir comment Ibrahim Traoré gère notre pays. Il est venu pour quelque chose. Ça, où on en est? Sinon, pour parler maintenant de la sécurité, sans vous mentir, il n'y a rien. C'est le bruit. Pourquoi on fait le bruit? Pourquoi on s'assemble sur les gens? Pourquoi on s'attaque à ceux qui parlent? Et d'ailleurs, vous voyez les faux comptes là. Il y a des gens qui... Moi, le gouvernement même me fait pitié, quoi. Vous voyez les faux comptes là. Même d'abord, les enregistrements qu'on sort, ces gens qui ont été enlevés, ils sont dans les mains du gouvernement. Mais les faux comptes là disent des choses... Que tôt ou tard, là, ça va retomber sur le gouvernement. Parce qu'il y a des choses que les gens sortent, les gens copient, déposent. Parce que ces propos-là, ces éléments qui ont été enlevés sont dans les mains du gouvernement. Mais ces faux comptes-là, comment ils arrivent à avoir les enregistrements? Comment ils arrivent à avoir les enregistrements? Et il y a des choses qui disent que les gens sont en train de copier, déposer. Tôt ou tard, là, le même gouvernement va répondre de ça. Parce que s'il y a des faux comptes, qui sont capables d'aller, c'est eux qui vont interroger les gens, c'est qu'il y a une connexion. Et cette connexion-là, tôt ou tard, les gens vont répondre. Voilà, donc c'était la petite chose que je voulais donner à ceux qui me suivent. Et je vais encore dire aux uns et aux autres, pour moi personnellement, bon, si vous pouvez éviter de commenter, parce que les gens viennent vous menacer, ils viennent s'attaquer à vous, ils viennent vous dire des choses que moi je pense que, et nous sommes dans une affaire, nous sommes dans l'éveil de conscience. Vous n'êtes pas obligé de venir commenter. Voilà, évitez qu'on ne s'acharne sur vous. Je ne suis pas content de voir que les gens s'acharnent sur vous. Donc, évitez de commenter et venez écouter, venez lire. Et, parce que souvent, on n'a pas totalement besoin de commenter pour montrer qu'on a assimilé. Prenons la note, allons-y en fonction de... Prenons des mesures pour nous protéger. Parce que eux, c'est en fonction de ce qu'ils font que nous aussi nous essayons de nous adapter. Donc pour moi, si vous pouvez éviter de commenter, moi ça ne me gêne pas. Parce que pour moi, je ne me nourris pas des commentaires. Il y a des gens qui se nourrissent des commentaires. Il y a des gens, quand ils publient, c'est en fonction des commentaires qu'ils voient si les gens les soutiennent toujours. Ils viennent toujours dire, ah, venez montrer que vous êtes toujours avec moi. Non. Nous, on n'a pas besoin de le faire. Parce que nous, on n'est pas payé pour ça. Voilà, nous n'avons pas monétisé nos pages. Il n'y a pas de vue qui est payée. Nous faisons un combat noble. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de nous adresser à qui que ce soit. Voilà. Il y a des gens qui s'attaquent aux gens, qui s'attaquent à nous. Ça, nous sommes habitués. Nous sommes habitués. Tant que c'est nos vies privées que les gens veulent ça, en tout cas, et se préoccuper de nos vies privées, non, ça, c'est pas un problème. Voilà. Nous parlons du pays. Si les gens n'ont pas d'argument pour convaincre les gens sur la base de ce que Ibrahim Traoré fait comme, progrès, comme libération du territoire, ils se préoccupent des vies privées des gens, ça veut dire qu'ils n'ont rien à nous prouver. Donc nous, on ne s'intéresse même pas à ces genres de personnes-là, on ne parle même pas d'eux, on ne les calcule pas. Voilà, donc je voudrais vous dire merci. Merci à tous ceux qui soutiennent ce que nous faisons. Et il ne faut pas se laisser emballer. Tout ce qui se fait, c'est de la manipulation. On sort, on vous dit oui, on a ça à vous dire, demain on a ça à dire ça. C'est une manière pour vous amener à vous détacher de la réalité de ce qui préoccupe aujourd'hui les Burkinabés, qui est la libération du territoire. Il est venu, il a promis de libérer le pays. Aujourd'hui, on n'a pas de résultat. On pense pouvoir utiliser ces stratégies-là pour endormir le peuple burkinabé. Mais il y a des gens qui sont éveillés. Juste même si les gens ne parlent pas, c'est parce qu'on enlève les gens. Moi, je comprends, je cause avec beaucoup de personnes parce qu'on les enlève. Alors, quand tu parles aujourd'hui, on t'enlève. Quand tu dis le contraire, on t'enlève. Les VDP qui ont fait la vidéo hier, allez leur demander. Là, je ne vais même pas rentrer dans ça. Des gens qui ont besoin d'aide, qui sortent, qui font une vidéo pour dire, nous avons fait ça. Depuis le 15, les gars là ont appelé à l'aide. Personne n'est allé.
Il a fallu qu'il sorte maintenant hier, faire une vidéo. Allez voir. Qu'est-ce qui est réservé à ces gens? Allez voir. Chacun va se réveiller dans ce pays-là. Que Dieu protège le Burkina. Merci.